j'en fais plein. Mais on s'emmerde pas quand on le fait. On est content, tu vois, on a... Okay. Ça peut-être. Non, c'est indestructible, t'es ouf. Sous les méchants. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est pas rouge, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est bon. Quand c'est pas rouge, c'est bon. Ça veut dire quoi? Et comment on fait pour savoir comment marche ce putain de... Allez, je vais craquer. On va regarder dans les options. Attention en même temps. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? À part appuyer sur le putain de bouton. Ouais, allez, laisse tomber. Ok, je suis désolé. Je suis une tête de con, c'est ça? Tout à l'heure, c'était un coffre, tu vas me dire? Putain, je suis mis à côté de moi et... Non, il a pas voulu. Il m'a pas donné. Pourtant, là où j'ai vu des trucs. Désolé, hein. À mon avis, le jeu, si on le run, on va le finir trop vite. Hein. On va faire un peu le tour quand même, parce que... tu peux y aller et ça sert à rien. Ah, même là-dessus tu peux grimper, d'accord, ok. La tempête empire, il faut se mettre à l'abri, vite. Ah, cinématique du début. J'espère, j'ai envie de voir un truc joli. Je vous en supplie. Je me rappelle d'une vidéo de l'E3, elle était si... Oh là là. Oh, puis merde. Elle était si belle. Je veux revoir les choses qui m'ont fait mettre des étoiles dans les yeux. Une fois les pylônes en place, nous avions calculé qu'il faudrait environ 200 ans pour stabiliser l'environnement. Ah bah c'est bien. Bien sûr, le dysfonctionnement d'un pylône remet tout en cause. Attends, le pylône d'abord, non? Venez! Par ici, Mac! Ok, super. Cette porte n'est pas alimentée en énergie. L'orbe qu'on a trouvé pourrait peut-être la redémarrer. Creux!
chose, Mac. Allez, on entre. Chargement. Chargement. Je reviens, je vais me prendre juste une connerie à graille, mais je muterai le micro, bien entendu, quand je boufferai. Là, j'ai l'impression que je vais y passer du temps. En chargement. Alors, un truc qui pourrait me dire, mais non, le jeu il est bien quand même. Alors, qu'est-ce qui pourrait me rendre la pêche là? Vous m'en voulez pas, je fais un peu comme si je prenais mon temps, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment mon temps. Ça fait du bien de sortir de la tempête, hein, Mac? Bon, trouvons les commandes du pylône. Oh, ça a été rapide cette fois-ci. Viens voir. Mac, au pied, cherche. Bon, après, j'aime l'ambiance. Bon. Hey, un autre clap. Allez, retranscrit. Comme celui de notre explorer. Allons voir ça. C'est loin d'être dégueu. On dirait qu'un truc est coincé dans la mémoire tampon. Mais il est largement perfectible. Ah bah, ça va être pratique. Oui, je suis une humaine. Je m'appelle Jules, et vous? Violette? V10L3T? Alors c'est vous qui bloquez les plateaux de transfert. Pourquoi? La révolution. Je crois les gars. Que Violette a les fils qui se touchent, si tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que, je vois que tu veux dire, c'est que j'ai même pas le droit d'avoir des dialogues entiers, quoi. Je veux en plus avoir un truc inventé où elle balance une vieille réponse pour que tu puisses comprendre ce qu'il vient de dire. Genre, on est en train de jouer avec une experte, on joue au jeu Lassie. Lassie du mode 2216, mais même principe. Nous, on comprend rien, on est complètement con, mais elle a la raison, elle sait tout, pas de problème. J'aimerais arrêter de dénigrer ce jeu. Et j'aimerais aussi arrêter de dire putain, c'est pas possible. Je fais toujours attention, mais là. Les commandes du pylône. Viens, Mac. On active le pylône. Visiblement, un seul orbe ne suffit pas. Il m'en faut d'autres pour redémarrer le pylône. Ok, faut le pouvoir rouge, c'est ça?
près d'une serrure à code couleur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Va voir ce que tu trouves. J'espère que je serai pas déçu. Oh ! Un amplificateur à munitions rouges. Peut-être qu'il marchera sur la porte. De dire ça. Un, deux. Non, deux, deux. Ah, c'est bien ça. C'est déjà mieux. C'est cool, t'es content, je t'ai tiré dessus. Lié au connecteur. Et il n'a plus de renforceur. Un orboïde renforceur. J'ai besoin de toi, petit. Suis-moi. Alors. Par contre, ouais, je comptais vraiment faire une nuit blanche dessus, de le torcher avec vous, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer comme prévu.